Le Forum mondial de l'eau revient en terre africaine à Dakar au Sénégal, ce 25 ans après la première édition tenue à Marrakech au Maroc. À l'occasion de cette 9e édition a été décerné le Grand Prix mondial Hassan II de l'eau. Le trophée est décerné à l'OMVS, organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il y a 4 pays, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Ça concerne la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire, parce que c'est aussi l'irrigation pour l'agriculture. Ça concerne la récupération des terres agricoles qui étaient perdues à cause de la salinisation. Et on a recueilli le territoire, Monsieur le Président, contre les avancées de la mer. Développement de la pêche et dotation d'équipements pour la pêche. Combat contre les maladies liées à l'eau. Renforcement des capacités dans tous les aspects. Le prix est accompagné de 500 000 dollars en guise de récompense. Le ministre de l'Équipement et de l'Assainissement du Royaume du Maroc a d'ailleurs félicité l'engagement de l'OMVS au service de l'eau. La cérémonie d'aujourd'hui récompense le lauréat du Grand Prix dans sa 7e édition, édition à partir de laquelle la valeur du prix a été portée par la volonté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de 100 000 dollars à 500 000 dollars. Ce choix a été motivé par le fait que cette institution joue un rôle exemplaire, puisqu'elle agit non seulement en faveur de la concrétisation de la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique du grand bassin transfrontalier, le fleuve Sénégal, mais surtout, il promeut la paix, la prospérité et le développement territorial de ses pays membres. Et je voudrais réitérer mes remerciements au Conseil mondial de l'eau ainsi qu'aux personnalités qui nous ont fait l'honneur de siéger au comité permanent et au jury de cette édition du Grand Prix et exprimer en leur nom toutes mes félicitations à l'OMVS pour cette distinction hautement symbolique puisqu'elle donne l'Afrique en exemple dans un domaine sensible et dans une région caractérisée par une sécheresse récurrente exacerbée par les changements climatiques. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal lutte depuis longtemps pour la sécurité en eau de ses membres. Ce prix vient récompenser à juste titre les efforts consentis. Créé par feu le président Mokhtar Ould Dada de Mauritanie, Moussa Traoré du Mali et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Notre organisation, dès sa naissance, était donc une organisation pour la paix. Forgé sur un socle africain universel, celui de la solidarité. Monsieur le Président, ce prix est à vous. Ce prix est à vous, vous, le chantre de l'hydrodiplomatie. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous qui avez porté les questions de l'eau au cœur des débats pour que l'eau ne soit pas assez oubliée des questions climatiques. Merci. Merci à vous. Le Grand Prix mondial Hassan II de l'eau est institué conjointement par le Conseil mondial de l'eau et le Royaume du Maroc. Il vient promouvoir l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'eau.